Ma cliente est étonnée de constater l'intrusion de la première défendresse, laquelle se revendique d'un certain pouvoir coutumier. Elle occupe une partie de la concession de ma cliente en vertu de ce prétendu pouvoir. Elle morcelle, elle vend même certaines portions à des tierces personnes. S'il y aurait des gens qui occuperaient le village Moudibaka, mais ce n'est pas madame Hélène. Nous nous occupons le village Mikoti. La congrégation des frères de Saint-Joseph de Kisantu, représentée par Adolphe Louvila, vient au tribunal de grande instance de la Gombe solliciter la confirmation de la propriété, le déguerpissement d'une occupante, Hélène Tsanga Kisukama, ainsi que l'établissement par le conservateur des titres immobiliers des titres des propriétés sur les 4 parcelles situées à Télécom au village Ngudibaka dans la commune de Mongafula. Des parcelles dont Hélène Tsanga Kisukama, la défendresse, aurait morcelé et attribué à des tierces personnes, évoquant son droit coutumier. Un dossier qui remonte 16 ans déjà. Les conseils de la partie demanderesse, la congrégation des frères de Saint-Joseph de Kisantu, soutiennent que leur cliente serait propriétaire des parcelles querellées sur base d'un acte de vente conclu entre elle et Prosper Mpeyengwe. Des parcelles qui seraient issues du morcellement de la concession de 40 hectares au regard du certificat d'enregistrement obtenu depuis 1986 versé dans le dossier. Les avocats de la partie demanderesse affirment au tribunal que la vente était régulière, mais se disent surpris de voir la partie défendresse, Hélène Tsanga, réclamait aussi des droits sur le même fonds. La congrégation des frères de Saint-Joseph de Kisantu sollicite du tribunal d'être confirmée comme seule propriétaire des parcelles et d'ordonner le déguerpissement de la défendresse Hélène Tsanga. La demanderesse sollicite en outre du tribunal de condamner la première défendresse, Hélène Tsanga, au paiement de 100 000 dollars des dommages et intérêts et d'ordonner à la deuxième défendresse, le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Mongafula, d'établir des titres et des propriétés au profit du demandeur. L'acte de vente est un contrat translatif des droits de propriété. Et que M. Pei étant propriétaire confirmé par un certificat d'enregistrement, pour autant qu'il a le droit de vendre, il a vendu à la congrégation. La congrégation a toutes les prérogatives d'un vendeur et d'un propriétaire et il peut rester en justice sans pour autant que le défaut, les qualités ne lui soient opposés. Vous allez dire, Monsieur le Président, que ma cliente est l'unique propriétaire à devenir des parcelles précitées en vertu du contrat de vente valable passé entre elle et M. Mpey. Vous allez ordonner au conservateur des titres immobiliers, appelé également au procès, d'établir des titres de propriété au profit de ma cliente, mais surtout, vous allez ordonner le déguerpissement de Mme Tsanga, la première défendresse, et de tous ceux qui occupent de son fait. Et vous allez ordonner, bien sûr, par voie de conséquence, la cessation de tout trouble de jouissance. Monsieur le Président, nous avions voulu prendre la parole bien avant même la convocation. Une demande rejetée par le premier défendeur, Hélène Tsanga. Ces conseils soulèvent les moyens sur la forme, notamment le défaut de qualité et la mauvaise direction de l'action. Les avocats d'Hélène Tsanga soutiennent en outre que leur cliente n'habite jamais les villages Ngudibaka dont les parcelles sont réclamées par la congrégation. Elle habite plutôt le village Minkoti. Madame Hélène n'a jamais habité le village Ngudibaka. Nous avions produit les actes de succession. Nous avions produit le procès verbal de conseil de famille. Mais cela n'a nullement trait au village Ngudibaka. Tous ces actes produits par vous ont trait au village Mikoti. C'est pour cela que nous avions soutenu, Monsieur le Président,
la mauvaise direction. Notre mauvaise direction est soutenue encore, monsieur le président, par la lettre du grand chef coutumier Longo Mata Antoine alias Cobra, qui est le propriétaire des villages Ngoudiba. Le grand chef coutumier écrit clairement pour répondre au questionnement de madame Tsanga. Le grand chef coutumier écrit ceci: madame Hélène, nous comprenons que la succession pays n'a pas compris notre contrat. Nous avons bel et bien vendu, mais c'est dans le village Ngoudibaka. Monsieur le Président, dans cette affaire, il est question d'un conflit foncier qu'il y a entre la succession payée, la congrégation des frères de Saint-Joseph de Kisantou et madame Hélène. Le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Mongafula, deuxième défendeur, se remet à la décision du tribunal sur la confirmation de l'acte de vente conclu entre le demandeur, la congrégation des frères de Saint-Joseph de Kisantou et Prosper Mpeye pour lui permettre d'établir des titres de propriété. Le seul titre de propriété qui est inébranlable, c'est le certificat d'enregistrement. Or, à ce jour, la succession payée n'a pas de certificat d'enregistrement. C'est pourquoi elle est venue par devant votre auguste tribunal pour demander dans son contrat judiciaire, dans son assignation, que vous puissiez ordonner au conservateur d'établir des titres de propriété en sa faveur, à son avantage. Nous pensons, Monsieur le Président, par rapport à cela, que de par les diverses pièces nous communiquées par elle, si vous jugez utile, si vous estimez que le contrat de vente passé entre les deux parties est valide, vous ordonnerez bien sûr que le conservateur puisse établir un titre de propriété et nous inclinerons par rapport à cette décision-là. S'agissant de l'application de l'article 21, le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête du demandeur et de lui accorder le bénéfice de son action. Il sera justice de confirmer la congrégation dans ce droit, parce que présentement, elle est en droit de devenir propriétaire au regard de la cession dont elle a bénéficié de celui qui est titulaire d'un certificat d'enregistrement. Vous la confirmerez comme propriétaire de ce fonds, et puisque vous aurez confirmé, pour taire toute querelle, les conservateurs de titres immobiliers qui vous suit, j'allais dire qui vous suit en copie, qui nous suit nous en copie, il va émettre un titre en faveur de la congrégation et on aura mis fin à cette querelle. Le tribunal clôt les débats, prend la présente cause en délibéré. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de grande instance de la Gombe prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais de la loi.